Bonjour tout le monde, Sony X, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Lego Indiana Jones, le dernier de... Aïe. Des histoires, et heureusement qu'on a encore zéro thune, comme ça. Hop. Voilà. Attendez, ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà fermer ça, comme ça je pourrais parler tranquillement. On peut pas. Allez, zou. Ça, c'est la musique. Quand on a le feu qui nous arrive au cul et les flammes. Alors, hop. Mais je lui ai pris son machin. Allez, zou. Ah! Je sais pas, je pensais un petit bazooka, ça aurait été sympa. Voilà, hop, c'est terminé. Voilà. Donc bonjour tout le monde, ça je l'ai dit. Donc on se retrouve pour la suite de nos épisodes pour le dernier chapitre du dernier film du jeu. À savoir la dernière croisade. Et on va aller prendre un petit peu les thunes. Hop, et déterrer des secrets d'archéologie qui peuvent être détruits, oui, pour faire une échelle tout simplement. Ok, alors tac, j'ai vu un trésor avant. Ah mais il me faut le... Est-ce que je peux tricher et qu'il m'explose genre vers le... Très bien. Alors, ah par contre il me faut Marcus qui a son petit livre bleu. Chercher après. Ok, là nous sommes carrément sur le temple de Petra. Enfin, Petra c'est le vrai temple du coup. Oh! Ah d'accord, carrément. Tchou. Bah, ça rigole pas, hein. C'est clair qu'il est plus joli aligné, mais... Est-ce que j'ai mis mon... Oui. Ah. Ouais, mais non. Moi, je vais aller les chevaux chercher. Parce que là, ça va continuer l'histoire, je pense. Bon, ok. Mais... Pourquoi la clé est tout là-haut? Ah, attendez. Oh yes! Ça, c'est, si c'est pas beau. Et en plus, j'aurais même pas eu besoin de faire tout le soin de soin. J'aurais pu directement ouvrir, je pense, depuis. Hop, allez. Libérez les chevaux. Et le trésor qui était ici en haut. Avec de très jolies pièces. Ouh! On a déjà presque la moitié. Incroyable. Bon. Ça, on peut rien casser, hein, non. Et hop, on est parti. Le lion pourra-t-il prouver sa valeur? Ah. Salafèze avec son petit chapeau. Je dirais un nom de plat mexicain ou de sauce. Alors hop, au secours. On perd mon chapeau.
Alors, par contre, il nous manque encore... Ah, la dalle scellée. Ne franchissez pas la dalle scellée. Ah. On a un truc, là. Non. Bond, James Bond. Ouh. Une œuvre hindouisme dans un temple chrétien catholique, là, très peu orthodoxe. Tech. Alors du coup, on a dit ceci. Je sais pas à quoi ça sert parce que. Est-ce que c'est pour pouvoir faire le. Ah ouais, on cloche. Ah ouais. Allez. Henri, c'est à toi. Attention le dos, hein. Oh. Ça, c'est incroyable parce que c'était exactement la position de James Bond. Donc je sais pas si c'est un mini clin d'œil, en sachant qu'il y a des gros clins d'œil Star Wars qui sont vraiment voulus. Mais ça là, ou est-ce que c'est simplement l'acteur qui est cette posture, tout simplement. Ah, le dos. JPP, je crois que j'ai vu trop de films. Ah, il a le bouquin, yes. J'ai vu une référence à Pirates des Caraïbes. Quand le type avec le David Jones. Oh, what the, comment je suis censé faire là? Le pénitent pour être facile. Pénitent. Aïe. Ah, carrément. Ah, oh, punaise, c'est tellement chiant. Allez, on continue. Ok, il y a un genre qui existe, qui n'existe pas. Mais ça, je peux rien faire, les cocos. Punaise. Vous entendez ceci? Incroyable. Aïe. Ah. Oh. Aïe, pas les pièces. Comment je fais? Ah! Oh! Ok, plutôt pas mal. Hein. J'ai quand même réussi à entrer et à ressortir sans choper. Alors, ici... Regardez ces scies là, hein, comme c'est vicieux. Oh là 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 là. Et comment je fais pour descendre? Pas comme ça. Bref, c'est vraiment la mort, ce machin. Ok. C'est passé. Merde! Ah! Ah! C'est vraiment chiant ce niveau. C'est pas passé. Oh là là. Ok. Est-ce que je vais aller chercher les... Non, c'est bon. Je crois qu'on en a assez eu. Pourquoi Indy, il est pas tout seul? C'est triste. Ah oui.
faut toujours qu'il y ait un joueur 2. Sinon, c'est pas drôle. Alors, hop. L'épreuve du pénitent, il est passé. Comme de la crème, hein. On s'est pas fait couper en 2-3 fois. Il y a carrément de trou pour le pont. Alors, ensuite. Oh, regardez ces belles pièces. On ne pourra jamais sans doute accéder. Hop. On peut pas juste casser la grille qui est en Lego. Non. Non. Bon. Oh là 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 là. Ok, c'est bloqué. Yes. Ici au bout, qu'est-ce qu'on a? Rien. Su. What? C'est une blague? Oh. Je suis pas contre, hein. Ah, on y est presque. On y est presque. Hop. La croix cruciforme. Ça veut rien dire? Non. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que ce serait pas le sceau de la foi? Oui, c'est le sceau de la foi. Le lion pourra-t-il prouver sa valeur? Non, c'est après. Non, il y a les lettres en premier. Oh là là. Je te jure. Je sais pas s'ils fournissent cet indie avec le bouquin ou pas. J'aimerais bien pouvoir traduire ces hiéroglyphes. À quel point ça veut rien dire. Alors, hop. Et ça, ça va nous distribuer la deuxième clé. Et zou. Et zou, et zou, et zou. Il vient m'aider, hein. Ouais, bien sûr. Yes. Facile, easy. Au secours. Je suis vraiment un salaud. Wow. Hi Christine. Qu'est-ce qu'on a ici en bas encore? Juste des pièces. Ça va? T'as pas l'impression que tu m'emmerdes un peu? Allez, monte. Ouh, des serpents, ça, non? Ouais, des serpents. Alors que le type dans le premier film l'a quand même foncé sur des serpents. C'est un fou. Je peux le prendre même s'il y a les flèches? Ou ça va picoter? Ça fait très peur. Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. Alors hop, ça on met dessus. Hop, et hop. Et normalement avec le temps que ça prend à venir. Ah non, ça part pas. Ok, tant mieux. Allez, hop. Ah voilà, les lettres sont là. Yehova en latin, non? I E H O O. J'aime bien parce que les lettres flottent, ce qui est pas du tout le cas dans le film. A H. Là. Incroyable, j'adore. On vient d'apprendre un mot.
Si c'est pas cool ça. Ah! J'adore. Maintenant c'est le saut de la foi. Pourquoi il y a un truc pendu à rien? Merde. Je pensais au moins... Alors, ici en fait, on va suivre les pièces. Parce que vous voyez, ha, c'est fou. Je pense que si vous connaissez pas le film, vous vous en sortez jamais dans ce jeu. Alors là, chaud patate parce que c'est facile. Sauf qu'il faut trouver où est-ce qu'on peut marcher. Voilà. Et puis là, c'est quoi? C'est la sortie. Ah, mais avant... Oh. Ok, d'accord. Va falloir qu'on prenne une caisse et qu'on passe sur les ponts. Pas juste sauter un coup, c'est plus facile. Alors, hop. Regardez déjà comment c'est galère sur un pont qui est visible. Au secours. Ah, mais non, on doit le mettre là. Ok, c'est bon. Et ça, c'est pour... Ça s'arrête. Ah d'accord, ça fait de la lumière. Non. Hein? Mais pourquoi ça fait de la lumière? Si je suis la lumière... Je meurs comme une bouse. Mais pourquoi il nous faut de la lumière? À quoi ça a été utile? Est-ce que le pont là il s'est construit du coup et il n'y avait pas avant? Peut-être. Peut-être que c'est ça. Ou peut-être que ça a simplement ouvert la porte aussi. Je peux pas casser et mettre une torche. Oh non, tant pis. J'y avais pas de torche là-bas. Ah, ça c'est le vrai saut de la foi. Le vrai pont. Avec plein de pièces. Waouh, waouh, oh la caméra, on se calme. Waouh, c'est magnifique, j'adore. Incroyable, le type... Attendez, c'était Dark Vador, le type est devenu en Dumbledore. Mais c'est pas vrai, lui, il a jamais fait ça, il est gentil. Voilà, il est épuisé, moi. Moi, je sais que c'est la coupe d'un charpentier. Ah, c'est bon, il est calmé. Ok, il y a un mur invisible. Alors... Encore, il faut qu'on prenne le bon. Alors, ça, on va déjà faire maintenant quand il est endormi. Je me suis entraîné toute cette nuit pour faire juste les... Oh! En fait, il faut, c'est ouvrir tous les trucs. Et pourquoi le type, genre, il nous... Non, moi je veux creuser. Ah mais rien à creuser. Eh ben il y en a des coupes, hein. Il y en a des coupes cachées. Et là, on trouve la descendante de Jésus et Marie-Madeleine. Ceux qui ont la référence Je vous aime, cœur sur vous. Ah, elle est là, c'est le seul verre. Correct. Allez, zou. En plus, c'est le plus joli, franchement. Les autres, c'est certainement rien. Ils ont presque tous la même gueule.
Elsa ne franchit pas la dalle scellée. Ah. Ah. Yes, la dernière croisade complétée avec le grand aventurier, enfin le vrai de la thune. Et ça, c'est un Graal.